Very, very good. Les 73 à toi, Gilles. Putain, cette surmodulation qu'il y a. Pourtant, là, je suis pas loin. Je suis en train de passer à la hauteur. J'arrive à la hauteur de la sortie 6 Caillot. Voilà. Il y en a un, je sais pas d'où il est arrivé, de quel pays il est arrivé, mais il t'a marché dessus, mais il a dû te laisser une sacrée belle empreinte sur le dos. Quoi. Ah, Gilles, il marche bien hein, ce poste, il n'y a pas de souci. Hein. Eh ben toi, j'ai été appelé là tout à l'heure, vite fait, là, pour aller bosser. Bon, ben d'accord, on y va. Je vais là où tu sais, sur Mérignac. D'accord. Mais Denis ? Ouais, en plus, attends, le gag. J'y vais en tant que pompier. Où je suis pompier, moi ? J'y vais plutôt pour allumer des incendies plutôt qu'autre chose, oui, je suis trois coups. Et moi j'ai commandé les petites diodes bleues sur Amazon, mais j'ai refait tous mes postes de lumière bleue. Ah c'est bon ça, ça doit faire vachement sympa quoi. Et oui, ça fait comme la base, tout est bleu, le ciel est bleu, le Grant, le Jackson, le Jack, tout est bleu. Ok, d'accord. Alors, suivant la luminosité, le bleu n'est pas toujours évident. Je sais que là, dans le push, là, si je mets en bleu là de suite, on n'y verra pas grand-chose. Ah si, mais les miennes, elles sont en 12 volts et je peux te dire qu'elles éclairent. Voilà. Là, je suis en train de faire une petite vidéo. Voilà, je viens de basculer là, l'affichage en bleu, là je vois pas trop cher. Là je suis à la poste, tiens, voilà. Ah si, on voit bien quand même. Ah ouais. Eh bien tiens, solidarité, solidarité, là je vais être en bleu. Il a fallu plus de 25 ans pour apprendre que CRT et président, c'était le même branchage, dis donc. CRT président, le même branchage? Je sais même plus. Ouais. Je sais sur le forum, je sais même plus. CRT et Superstar, c'est pas pareil. Donc j'ai appris ça il y a peu et j'ai branché un micro CRT sur un président et ça marche nickel. Tu vois. Il n'y a pas une couille dans le potage parce que CRT Superstar, c'est la même chose. Hein. Bon, CRT, c'est que l'importateur, on va dire. Mais il a toujours été l'importateur Superstar. Ouais, bon, on va pas chercher plus loin. Hein. Non, j'ai pas changé le branchage du micro CRT, 520 d'origine. Là. Je l'ai mis sur le grand et ça marche. Hein. Ah bon, d'accord. Mais tout est bleu. Tout est bleu. C'est comme chez Michou, en fait. La station, c'est comme chez Michou. Ok, d'accord. En vert aussi, c'est pas mal. Je connais un Québécois justement là qui aime bien là de faire du tuning, du post-tuning. Et le dernier que j'ai vu, comment il a fait? Alors habillage du poste, genre plaque d'alu renforcée, tout ce genre d'imitation là. Et avec ouais, éclairage LED de partout. Alors, il y en a eu un fait un en bleu, et là dernièrement j'en ai vu un là complètement en vert. Et en vert c'est pas mal aussi. Hein. Non mais je peux le faire sur tout le poste, hein, mais c'est un travail de titan quoi, LED par LED. Même sur le RCI il est bleu, mais dessous il y a des petits boutons, j'aurais pu tous les faire de différentes couleurs si je veux. Il y en a une vingtaine. Hein. Ouais. Ah, il y a un break, où est le break?
Je sais pas, va remplir, si j'ai bien compris, c'est difficile. Il y a tellement de bruit, de propague, que ça a été difficile à sortir. Les 73-51 la station, de la part de Dandy 33, 14 km, 33-01, en compagnie de Vega 33. Ouais, 14 Oscar Mike Tango, mais c'est très très compliqué de mon côté. Hein. C'est vrai que là, c'est vraiment compliqué de mon côté pour arriver à vous sortir. Je vais faire un tour de micro sur Gilles pour voir si lui, il arrive à vous entendre. Gilles, retour pour voir si tu arrives à entendre 14 Oscar Tango, je crois, oui. Attends, je suis en train d'arriver en plein dans les bouchons à Artigues. Retour Gilles. Oui, salut, ça va vous plaire. Ça voit un peu la poussée, là, c'est un peu étranger chez moi. Je sais pas, ça fait comme si... attends, je vais mettre les réglages, là, maintenant. Il arrive fort, mais avec la propague, c'est un peu la merde. Si vous voulez du bleu sur vos postes, amenez-moi vos postes. J'ai plein d'ampoules bleues, je fais du bleu, moi, je suis comme chez Michou. Ah, j'ai trois coups, il y a justement des bleus qui viennent passer à côté de moi, des pompiers. Non, non, pas encore, mais ça peut changer, ouais. Ah, mais t'inquiète pas, il faut avoir du bon pour être civiste, sinon on se suicide. Hein. Ah oui. Je sais pas. Mais tu le reçois comment, toi? C'est pas... Tu vois pas que c'est un petit peu... Alors là, sur la nationale 89, à la hauteur de Artigues, là, ça va déjà un peu mieux. Hein. Les 73, la station de Dandy 33, voilà, là, ça passe déjà mieux. Attends, je suis en train de mélanger les crayons là, les vitesses. Alors, je suis passé de la 4e à la 3e, à la 5e, pour redescendre à la 4e, pour maintenant la 1ère. Ok, par empire, d'accord, ok. Et eh bien là, je m'en vais pour ma part, là, au pro, là, sur Mérignac. Ah, mais ça va mieux, là. Ça va mieux. Ça va mieux, là. Ben là, on y va. Ben déjà, en plus, au niveau bruit de propague, derrière, ça a baissé un peu, là, pour le moment. Donc, moi, là, pour le coup, oui, ça va un peu mieux. Voilà, je suis à la hauteur de Brico-Dépôt, voilà, exactement. Je suis à la hauteur de Brico-Dépôt sur la National 89. Ah bah là sur le pont d'Aquitaine ça va arroser, là c'est clair. Hein. Marc, vu la météo, ça peut. Vega, ouais, t'as raison. Hein. Si on n'a pas d'humour sur la CB, ça devient suicidaire là pour le coup. Hein. Je vois très bien à quoi tu fais allusion. T'as vu, il a fallu que je tape du poing très fort sur la table, là, sur le groupe Facebook. Et puis là, tous les pas contents, les machins, tout ça, tous les pas contents, de tout et de n'importe quoi, surtout. Allez hop, on tire à vue. Hein. Mario du Portugal. Comme quoi,
Ah ouais. Bonjour, et Michel. Et moi, tu viens de Calais, moi je suis content. Voilà, t'as jamais calé, moi, comme un con, là. Ça doit être Mario du Portugal qui m'a fait caler, là, sur le coup. Il arrivait trop fort de mon côté, quoi. Eh bien. Ah. Il y a un monde sur la route, je suis content, quoi. J'embouche à 18h30, enfin, on va essayer, quoi, mais c'est pas gagné, là, l'affaire. Tu fais quoi comme horaire, là? 18h30, 6h. Attends, il m'appelle à 17h. Il m'appelle à 17h pour être à 18h30 à Mérignac. À mon avis, ça va pas le faire. Ah. Ouais, je disais donc 18h30, 6h30, je fais là. Mais bon, c'est, j'étais coincé à Libourne. Là, je suis coincé là au niveau de la sortie 26. On est quasiment à l'arrêt. Hein. C'est super. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. J'arriverai quand j'arriverai, de toute façon. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Ah, je crois qu'il y a un Portugais qui tousse là derrière. Hey Gilles, tu te rappelles le dernier coup, l'autre à Lisbonne qui se plaignait qu'on lui arrivait trop fort. Enfin, qui se plaignait, je ne sais pas s'il se plaignait vraiment, mais bon, qui nous a fait remarquer qu'on lui arrivait trop fort là-bas, quoi. Ah oui, on est au Portugal, ouais, excellent ça. Ah ouais, putain, ce monde sur la rocade. Ah, on voit que les bars sont ouverts, hein, y a pas de souci. Ils sont tous dehors en train de courir après, quoi. Alors tout à l'heure, ce matin, c'était pareil, hein. Il y a un mec qui vient, il y a quelqu'un qui braque et qui m'arrive à 9 plus 30 sur la Bretagne. En fait, c'était moi le mec qui braquait. Puis en plus, quand on sait comment t'es équipé, chapeau bas. Oui, quand la propague est là, elle est là, hein. C'est, contrairement à ce que certains s'imaginent, ou plutôt n'ont pas encore compris, la propague, c'est un amplificateur naturel. Et puis là, on ne peut pas le gérer, ça. Non, mais t'inquiète pas, hein, je vais pas y remédier, moi ça me va très bien. Hein. J'ai pas entendu, moi. Ah, tu m'étonnes, c'est sûr, en plus c'est sympa, quoi, sur le 19, de dire bonjour à tout le monde comme ça, de tous les côtés, c'est super cuéro, même. Pour l'Italie, le Portugal, le nord de la France, avec rien que la bagnole, alors tu vois. Ah oh ouais, bah c'est génial ça. Ah oui, je suis en train de passer là au niveau des stations totales. Ah tiens, celle de gauche maintenant là est fermée et en chantier. Moi j'aime bien. Ah oui, Bordeaux, aéroport 23 minutes. Ah. Ils sont un petit peu optimistes, là, je pense. L'antenne n'a pas bougé d'un poil. Ça, c'est bien. Ah, oh, bah, quand même. Vu comment t'as installé ça, non, chez moi non plus. Hein. Pas la peine de mettre des câbles, des fils de fer. Hein. Il y a des cordes qui sont très bien pour emballer. Et qui sont très solides. Ah, oui, aussi. Bon, en cuirant, je l'ai mis en double bannage. Comme ça, s'il y a un fil qui casse, il y a toujours, là, qui, toujours l'autre qui est là pour seconder. Quoi. Parce que ça évite des conneries. Et avec les intempéries, le soleil du sud-ouest qui va passer dessus, t'as pas peur que ça le grille un peu le câble? C'est de la corde. Merde, n'importe quoi. C'est ce que je voulais dire en plus. N'importe quoi, de la corde. Non,
Non, ça risque rien. T'as une pression de 25 kg par mon vent, alors ça va, avant que ça casse, je vais te dire, il va falloir qu'il souffle le vent. Ouais, ma foi. Alors, mais oui, je t'ai vu. Voilà, j'ai une Y qui regardait si je l'avais bien vu dans sa voiture. Elle a eu peur que je décrase comme c'est là. Quoi. Ah, pour la quitter en vue. Là, il s'allume, mais pas dans la radio. Je l'emmène chez Christophe. Ça fait un moment. Ok, d'accord. Ça fait un moment que je suis pas allé le voir. Putain, c'est pas évident. Puis en plus, là, j'ai bossé là pendant un peu plus d'une demi-journée là, au QRA là, en extérieur. J'ai eu la totale. Entre la débroussailleuse à passer, enfin l'herbe à couper, une haie à tailler, les arbustes à tailler, et tout, et tout, et tout. Putain, et puis le téléphone qui sonne tout à l'heure pour me dire qu'il faut que j'aille bosser. Ah, je me suis dit, bah merde, aventure la nuit, là. Bah, j'ai trouvé un truc pour plus tendre le gazon, j'ai mis du goudron partout. Oh, le con. Ah bah tu m'étonnes, je suis en train de monter pour l'Aquitaine. Oh, je suis en train d'arriver là à la première pile. Voilà, je suis en plein haut du pont l'Aquitaine. Ouais, 73-51, les stations du Portugal de la part de Dandy 33 depuis Bordeaux. Ah, j'ai entendu quelques sessions là. Merci, tout ça retourné depuis Bordeaux. Merci, tout ça retourné. Toi Gilles, ça passe très bien. Oui, on entend tous les soirs, mais il va 73 de la ville de Bordeaux de Vega 33. Au nord de l'Italie. Il y a un truc que j'ai bien envie d'aller voir, c'est le dernier week-end de juin, tout du moins le samedi là, du dernier week-end de juin, c'est aller me balader du côté de Montalivet. Bon, je sais que là, la concentre des Outcats est annulée, mais paraît-il que les mecs, ils font quand même quelque chose comme ça, officieusement là-bas, en plein dans Montalivet, et ça me tente bien d'aller faire une petite balade. Pas le week-end qui arrive, mais c'est l'autre après. Hein. C'est ce que paraît-il que l'année dernière, ils ont quand même fait quelque chose. Et au fait, j'ai pas fait gaffe au radar. Moi. Bon, ben, on verra bien si je reçois un truc. Et si tu gardes le DHL, attends, je suis en train de réfléchir. Si ça se trouve, j'ai fait le con là en bas du pont d'Aquitaine. Que ça m'étonnerait pas. Bon, ben, on verra bien. Sinon, ben tant pis, je serai quitte pour un point au moins. À papoter, à faire le con, là, j'ai complètement oublié ce foutu, cette boîte à images qu'il y a là en bas du pont. On verra bien si j'ai la chance avec moi ou pas. Ah, Vega, t'as trop de bruit de ton côté, tu m'entends plus. Si, j'étais en train de regarder mon planning du mois de juillet, là. Ok, ah ben j'ai pas, je l'ai pas encore regardé. Hein. C'est, ça sera surprise, surprise. Bon, ben moi, ça va, je travaille que sur 4 jours, alors. 4 jours dans tout le mois de juillet? Ah ben ça va, toi, tu vas t'en sortir. Non, 4 jours par semaine. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Voilà, je suis en train d'arriver là sur le pont, pas le pont d'Avignon, mais le pont du lac de Bordeaux. Oui, c'est
ça, les fonctionnaires. Ah putain, je vois ça. Wap, là, c'est complètement bouché devant moi. Bon, ben, je suis coincé dans les bouchons. Voilà. Eh ben, ouais, bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Ouais, ils mettent un quart d'heure là pour jusqu'à l'aéroport. Je pense qu'ils sont un petit peu légers là. C'est. On verra bien. Ouais, tiens, tu parles de ça. Attends, j'en entends un quelqu'un qui klaxonne. Ça se trouve, je suis en train. Je sais pas s'il est en fréquence, le mec. Non, ça se trouve, il devait dire bonjour à quelqu'un à tous les coups. Si au niveau bouchon, là, ben, je suis coincé pour le coup. Au QRA, côté internet, là, par contre, les bouchons, il n'y en a plus. Hein. Oh putain. ça passe plein pour là maintenant. Hein. Attends, et jusqu'à maintenant, je tournais, quand ça le voulait bien, aller à 3,4 mégabits. Je suis passé à 400 mégabits. Ah non, de Dieu. Je peux te dire que la différence, là, je la vois, là. Ah, j'ai pas trop entendu, parce que là, c'était très loin, il y avait des QRL. Ok, bon, allez, on va pas insister plus. On s'est fait un bon petit QSO là. On verra bien demain matin si je t'attrape en fréquence ou pas. Je vais t'envoyer les bonnes 73-51. Sinon, ça va être saoulant là si tu pour de ton côté là si tu es obligé de me faire répéter sans arrêt. Je vais t'envoyer les bonnes 73-51. Il est 6h-10. Et bon QSO, bonne propag. A plus. Bonne nuit Rémi, amuse-toi bien le camion des pompiers. Mets bien la sirène, hein. Ouais, surtout que j'ai même pas le permis poids lourd. Alors, je sais même pas comment ça va se passer la nuit, ça risque que ça promet. Ah, je suis trois coups. Parce que c'est évidemment tout le reste avec que je sais pas. Quoi. Ah, j'adore quand ça se passe comme ça, c'est génial, c'est trop marrant. Quoi. Allez, à plus. Putain, depuis le Portugal, quand la propague est là, elle est là, hein. À la vache. Alors, l'avantage comme ça, on a M, quand, pour faire du DX, c'est que ben, y a pas besoin de clarifier hein, par rapport à la BLU. Hein. Après tout, hein, pourquoi pas. Hein. Moi, je suis pas contre. Hein. Ça marche tout aussi bien. Hein. Même si c'est la BLU qui est plus dédiée au DX. Mais là, en AM, comme ça, ça marche tout aussi bien. Hein. Eh bien, c'est à croire qu'il y a plus de monde du côté de la M que du côté de la BLU. Ah si, ça arrive. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait là?
Vous remarquerez qu'au-dessus du 30, bien souvent, c'est en BLU. Voilà un petit peu les habitudes. De Mérignac. Il est quelle heure? Ah non. Il est 18h10. J'embauche à 18h30. Si je prends le micro là, c'est mort. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment du monde en AM et même sur le 19. Ça arrive de partout. On n'entend pas tout le monde, mais vu Mario sur le Portugal, ça arrive de partout. Lâche-toi, lâche-toi, même les pieds.
Alors, vous voyez, c'est de ce côté-ci, c'est vraiment la bonne franquette. Hein. On se prend pas la tête, on se prend pas le chou. On se fait plaisir. Ça ressemble à une cour de récréation. Eh bien, tant mieux, on se fait plaisir. Trop se prendre au sérieux, ça sert strictement à rien. Puis après tout, on n'est pas payé pour être con là-dessus. Alors autant en profiter et rigoler. Bon allez, là, faut que j'y aille. Et 73-51, les stations fréquences de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Alors il est 6h45 passé. Côté circulation, dans le sens de la montée, c'est tout cuirot. Dans le sens de la descente, ça commence à bien se charger, mais c'est encore bien cuirot. Bonne journée à tous. Ouais, cambio. Et 73 Italia de la ville de Bordeaux, sud-ouest France. Eh ben, quand je dis que tout à l'heure que la propague était là. Attention, Vega 33 pour Dindy 33 qui t'appelle. Attention, Vega 33 ou je sais plus. Pour Dante 33 qui appelle. Attention, la pelette Barracuda 56 pour Dante 33 qui vous appelle. Et 73 Christophe de Dindy 33 sur Libourne. Attention, signalé, les radio de Bordeaux, signalé français. Oui, la ville de Porto, les bandes 73-51 à vous de la ville de Libourne, des sud-ouest France. Missionale. J'ai pas tout compris, là. Normal. Français,
Attention, Vega 33, Vega 33 pour Dindy 33 qui t'appelle. Eh, 73 à toi, je suis pas loin de Saint-Émilion. Hein. Putain, lui, il passe fort, lui. La vache. Bon, ben, ça y est. Moi, là, je rentre du boulot. Ce coup-ci, je m'en vais au 144. Bon, ben, je sais pas si tu m'entends de ton côté, mais moi, là, ça passe plus, la lumière, là. Voilà, ok, j'étais en train de... J'ai vite attrapé mon téléphone, justement. J'ai pas... Le Dundee. De Dundee 33, opérateur Rémi, indicatif 14 km 3301, voilà, sud-ouest France, à 12 km de Saint-Émilion, juste à côté de Castillon-la-Bataille. Ok, il y a la Belgique là qui passe très très fort là aussi de mon côté, les 73-51 la Belgique. Là si je continue comme ça, je vais y passer l'après-midi là-dessus. J'ai d'autres trucs à faire. Là, là je vais là faut que je redevienne raisonnable, que je me remette là déjà la sauce que je suis en train de faire. Je reviendrai un peu plus tard en séquence. Donc les 73-51-12 de la part de Dundee 33, 14 km 33-01, opérateur Rémi, sur le département de la Gironde. Bah, faut vraiment que je sois dans mon truc, que je passe en QRD. Et j'en tousse en plus. Donc je laisse la place aux autostations de lancer appel de C11. Les 73, merci pour ce petit passage vite fait. A plus. Ouais, salut Rémi, merci. Je t'enverrai la vie. 73 à toi. Merci, 73 également la Belgique qui passe très très fort derrière. Salut Rémi. Et 73 à la station du sud-ouest France de Dundee 33.
Ouais, si j'ai bien entendu, c'est Drakkar, c'est ça? Ok, les 73-51 toits, ça passe bien là de mon côté, là sur le sud-ouest France, le département de la Gironde. Les 73 retournés de la part de Dandy 33. Oui, merci, tous à retourner. Bonne poignée de main, les 73-51, ça passe très bien. La modulation est excellente, là, de mon côté. J'aime bien comment ça passe, là, ici, on a M, c'est génial. C'est tout simplement génial. Et je sens bien dans la modulation que ça sert à rien de se prendre au sérieux. Quand on peut rigoler, quand on peut s'amuser un peu, et tu as bien raison, justement avec la modulation que tu as là, c'est excellent. Ça change de ce qu'on entend d'habitude. Je ne veux pas dire que les autres stations c'est mauvais ce qu'ils font, loin de là, bien au contraire, hachi trois coups. C'est chacun son utilisation, et toi tu as bien raison. Il faut savoir en profiter, il faut savoir se faire plaisir. Merci beaucoup. Tu as bien raison, non, c'est moi qui te remercie, au contraire, hein, ça fait bien plaisir. Voilà, c'est de toute façon, comme je dis à chaque fois, la CB c'est fait pour s'amuser. Surtout, enfin, je veux dire, du côté des 40 canaux, on n'est pas là pour se prendre la tête, bien au contraire, et tu as raison, j'adore comment tu modules, c'est tout simplement génial. Merci à toi, je retourne, là, je suis en train de préparer là une vidéo, là, en train de travailler une vidéo d'hier, que j'ai rallongé un petit peu avec une station de Nancy, là, tout à l'heure. Et là, je crois, là, je suis en train de faire un petit bout, là, vite fait, comme ça, là, avec mon téléphone, que je vais rajouter encore au bout. Hachi trois coups. Merci à toi, bon après-midi, à plus tard. Ah, il y a énormément de surmodulation là de tous les côtés, là c'est excellent, ça arrive de partout. Les 73-51, les autres stations également là de Dundee 33 sur le département de la Gironde, pas très loin de Saint-Émilion. Bon après-midi à tous. Ouais, station, je suis toujours là. Il y a énormément de surmodulation, là. C'est 10 millions. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est trop faible. C'est 100 milliards de stations, là, sur la France, là, qui arrivent comme des boulets de canon de mon côté. Ah, chier trois coups. Non, je plaisante, je déconne. Non, là, faut vraiment que j'y retourne ce jour. Je vais pas y arriver, quand même. Il me faudrait une standardiste, là, pour prendre la place au micro. Putain, ça serait génial, ça. Ça serait super. Une YL. J'en connais une, mais elle est au boulot. Ah, zut. Dommage. Bon allez, je retourne à mes conneries. Hachi, à plus tard. De toute façon, j'ai quand même une oreille, enfin deux oreilles sur le poste et le reste sur le PC en train de travailler dessus. À plus tard, merci.
Nous vous écoutez, cher ami Patrice. Et bonne chance en plus de 5131. Qui vous salue. Bonne chance en plus. Patrick, à la prochaine. Bye bye, à vos retours. Il y a des appels sur le 455, il y a des appels. Il fonctionne toujours. Il monte au lit. Pour ceux qui ont oublié, sur les postes, c'est un clarifieur. C'est fait pour servir, ça permet d'isoler une station en particulier sur une fréquence d'appel. Là, voilà, là je suis sur celui-là. Voilà, là je l'ai isolé là. Alors, quand il y a du bruit à bas, on clarifie un petit peu sur la station cible et on arrive très bien comme ça.